là, ferme ta gueule. Tu veux chanter ? Ta gueule. Non mais gros, la pauvre de quoi, dégoûte aussi. Mec, j'en peux plus. Me dégoûte, elle, elle me raconte sa vie, elle est là. Oh là là, Junpei qui vient se faire atomiser le cul par l'anaconda algérien là-dessus, c'est exceptionnel ce qu'il est en train de produire. Jiraya qui est de l'autre côté, c'est bien ce qu'il fait, Jiraya il se fait oublier là-bas. Sur son côté, Faya qui est au milieu de la carte, attention, c'est... Oh, oh là, c'est Legolas Sildan qui vient de juste défourailler Jiraya. Oh, non, c'est Max qui se fait trucider à bout portant par le joueur de chair. Max, le joueur manette. Personne ne l'attend à un tel niveau, Rivenzi, aujourd'hui. Il est en train de se faire la pêche. En effet, personne ne l'attendait. Je suis un chat. Faut y aller, Rive. Il faut moi, y aller. Je suis au point là. Il y a juste à le rusher là. Allez, mon vieux. Tu peux. Mais t'es nul. Mais t'es con. J'ai la tête de ma mère que j'ai envie de hurler. Là, il y a bien 20 secondes de silence pour cet homme. Zoulou, il a tellement d'HP, c'est chiant. Donc là, je vous rappelle qu'on joue évidemment pour les 4 dernières places du classement. J'ai joué avec lui hier, il est quand même. D'accord. Oh non. J'ai fait une rive. Ah non. Ouais, bah disons que j'ai cru que j'avais encore l'arc, ouais. Alors peut-être. Oh non, oui. Contrôle mental. Non. Et nous sommes presque tous au bout de la barre. Quoi? Non mais quoi? C'est une honte quoi, genre vraiment. C'est une honte. C'est un... Oh non. Oh non, la chute. C'est Monsieur Nook. Il est génial. Monsieur Nook. Du führst dich auf, als wenn du immer noch mein Sensei wärst. Eh ben oui, mais c'est l'album. Non, mais attends, c'est un fake. Et du coup, y a plus de son, y a plus rien derrière. Ça régale. Ça fait vraiment, vraiment plaisir. Tu peux mettre le deuxième tweet que j'avais mis. Tecnica superiore della moltiplicazione del corpo. Technique de la multiplication des corps. Technique supérieure de la multiplication des corps. Pas un gamin qui regarde, ils sont tous sur YouTube. Bref, voilà, bon, c'est toujours. J'allais te dire, ils ont l'air d'avoir absolument rien à foutre dehors. autant qu'ils fassent marrer les gosses qui sont au balcon. Vlatipa, qu'il y a un mec qui m'envoie un petit DM. Et il m'envoie. Tu sais que je l'ai envoyé à Mana aussi. À 23h10, il m'envoie: frère, les skins des rois de fées ont changé, ils sont vraiment trop stylés. Mais j'ai pas acheté ça. Et je dis: mais c'est un event, connard. Tous les skins sont offerts pendant la période de l'event, après ils disparaissent. Et c'était trop mignon. Cet événement-là, le mobile, bah, bien entendu. Oh, la photo de Max dessus. Tu sortais d'où? T'étais mannequin La Redoute à cette époque-là. Bonsoir, oh, messieurs. Quel plaisir de vous retrouver pour cette émission. Bonsoir à tous. Mesdames c'est qui et messieurs. C'est qui le master? C'est toi. Attends, on peut chauffer le public un peu? Vous êtes chaud? Ouais. Qu'est-ce qui a été volé au marchand? Le smegma. Réponse A. Oh non. C'est navet. Navet. Oh, dans Animal Crossing. C'est œufs de Pâques ou alors réponse D. C'est orange. Je crois que c'est les oranges. Ça casse les couilles, les réponses trop simples. Les voilà, c'est bon. Hein, les oranges. C'est très très bon, je pense. Yes, sacré Gigi. Je vais vous proposer de partir sans le chèque pour l'instant. Hein. Vous okay. Comprendrez. Ok, bah mec, on va dans nous le public. Nous sommes en guerre. Bah, allez dans le public. Et on se retrouve tout de suite, mesdames et messieurs, pour le prochain coup. Le petit bidet qu'on va mettre là, quoi, pour se rincer le fion. Le fanatique des toilettes, c'est la salle des trônes. Et donc pour l'instant, voilà, j'ai une petite salle de sport avec un petit peu de musique. Oh, attends, je vais lui laver le cul. Voilà. Oh, c'est bon ça. Oh, c'est bon ça. Oh. C'est bon. Oh oui. Voilà, c'est pour le sport. C'est avant tout pour le sport. Mais la vie de ma mère. Eh, je suis là où je suis pas là. C'est moi, c'est pour moi. C'est quoi ça? C'est une dinguerie, ça, je te le dis. Oh, c'est trop bien, une raie énorme. Ah ouais. La raie de Charles, comme on l'appelle dans le milieu. Oh, c'est peut-être une dinguerie. Le back to back. Je vais pouvoir me régaler en termes de budget, j'ai l'impression. Mais gros, elle est bénie des dieux. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi ce truc, gros? La lune de mer, c'est rare. C'est énorme. Mais gros, mais c'est pas possible. Mais je vais finir le jeu ce soir. Mais ouais, c'est trop, une lune de mer. Mais mon ref. À chaque fois que je lance un appât, je suis comme ça.
au mat, hein, frère. J'ai juste envie de te... j'ai envie de jouix. Je suis en full jouix sur ton île. Un peu relou d'avoir que des doubles, mais bon, tant pis, c'est comme ça. Ouais. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Thomas, sache que tu seras toujours le bienvenu chez Webedia. Pour l'instant, on est d'accord pour dire que j'ai pas énormément de chance. Tous les spécialistes s'accordent à dire, ouais, le chat, ouais, on est d'accord, j'ai pas trop de bol pour l'instant, ok. Ouais, je suis doom, ouais, après bon, je suis condamné à rien, je suis condamné à faire des doublons, hein, par contre, ça dégoûte vraiment. J'en ai marre, est-ce que je peux avoir un peu de chance ou pas, là, c'est terrible. On est d'accord que t'es dégoûté pour moi, putain, mais encore un requin, mais ça me dégoûte. Ouais, c'est putain, encore un requin baleine, quoi, payer les études de sa fille. N'hésitez pas, un sub égale un requin, hein, c'est la promotion, j'ai l'impression, actuelle sur l'île. J'ai pas de bol, ça dégoûte. Là, je viens de revendre, j'ai revendu que pour 94 000 clochettes. Mais ouais, non, mais tu vois, vous voyez, même ma femme est choquée, elle dit que j'ai vraiment pas de bol. Ça dégoûte, on est d'accord. Ma femme, je vous aide. Je pense pas que c'est moi qui ai de la chance, je vois des requins partout, je pense que c'est assez commun. Genre, par exemple, de pêcher le requin. Le requin qu'il me fallait, le requin si. Ça dégoûte, gros, et encore un requin. Oh, mais ça va pas être le bon, ça va pas du tout être le requin marteau que j'aimerais avoir, quoi. Et c'est ça qui me fait chier. Le requin marteau qui tombe. Chinese crabs, guys! Chinese crabs! Yeah, it's just here for me! Je vous le dis, si c'est la dorade, je montre mon zizi en live. C'est bon. C'était énorme, mais quand même. Oula! Oula! C'est parce que j'en avais marre d'avoir que de la dorade, mais j'ai pas envie d'avoir. Ah, y'a un mec! Il a marqué dommage! Il lag! On est là! Bon, est-ce que vous avez déjà vu un mec qui joue du saxo comme ça? Ok, ouais, putain, on suit chez mon ami Thomas. Je joue du saxophone. C'est pas ce que je voulais. C'était, je voulais le saumon roi. Tu l'as ça, Thomas? Tu l'as, Thomas? Thomas, t'es vraiment le boss du jeu. Ah yes, c'est bon. Allez, qu'est-ce que c'est? Oh, mais ça régale! Enfin, bon item. Oh, trop stylé, gros. Alors lui, par contre, rien à voir. Alors lui, le mal à... Comment ça, Aurélie? Excusez-moi, mais j'allais dire le mâle alpha. Mais gros, c'est un aigle, genre majestueux. Ok, bon, bah ça régale. En vrai, on a Aurélie. Ouais, esturgeon, en effet, ouais. C'est vrai que je l'avais pas vu. Allez, l'esturgeon, ça vaut le coup, hein, parce que c'est 10 000, donc ça prend largement un slot. Je vais vous mettre un de mes meilleurs mix, si vous voulez bien. Ok, ça joue un petit peu, comme il faut. C'est énorme. On a fait un match de Babi qui était impressionnant. Attends, est-ce qu'on voit la balle? Ah oui, il y a la balle, gros, il y a la balle. On peut caster le match, gros. Attends, est-ce qu'on peut faire du 2v2? Et directement, les joueurs bleus qui sont en avantage. Attention, la balle qui va peut-être passer, la casquette qui ne montre pas ce qu'il faut. Ah, c'est passé directement, le but qui a été mis de la part de la team française. Ce phare a été inauguré en 1983, construit par le fameux Capitaine Haddock. Depuis, il nous a quittés, mais il est toujours l'âme de cette île. Merci beaucoup. Tandis que je vais tenter ce poisson devant vos yeux ébahis. Petite démonstration de ce qu'est une île de pêcheurs. Et c'est parti. Devant vos yeux ébahis, le barcode. Merci à tous. Ceci était une démonstration de force. Faites votre meilleure pose, les amis. 3, 2, 1. C'est la photo. 1,8 million, gros. Stonks. Quoi? Non, désolé. Ma femme qui essaye de me gruger un peu mes thunes. On verra, tu me soumets ton projet, je verrai si je finance ton pont. Et oh! Mais quelle connasse! On marche pas dans les fleurs, sors de là! On va peut-être les analyser ensemble, là, tout de suite, les crafts magnifiques. Alors, c'est parti. Par exemple, on a la clôture faite des œufs, qui apparemment est plutôt pas mal. Le sac fait des œufs, ouais, sympa. La coiffe, tout ce qui est tenu. Bon, bah écoutez, on va pas épiloguer, mais si tu veux ressembler à un Teletubbies Eco Plus, c'est vrai que c'est plutôt pas mal. Le tapis fait des œufs, absolument abominable. Le sol fait des œufs, faut vraiment être tracassé pour mettre ça. La couronne fait des œufs, est sympa. La guirlande fait des œufs, rien à foutre. L'horloge mur fait des œufs, jamais vu un truc aussi horrible de ma vie. La coiffeuse
fait des œufs. Gros, on dirait un œuf mimosa. J'ai juste envie de le grail. Un lit fait des œufs. Ça, c'est un lit. Il y a un mec chez Nintendo, il a bossé, frère. D'accord ? Il était en train de dessiner. Il a dit, là, je vais les régaler pour cet événement. Le premier truc qu'il s'est dit pour faire un lit, je fais quoi ? Je prends une panière en osier et je mets des œufs dedans, mon frère. Ça, désolé, mais même mon chat, il s'allonge pas dessus, fils de pute. Tiens, tiens, tiens. Qui voilà-je ?